Bonjour à tous. La première réaction que nous avons lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est de dire, ou de penser en tout cas, « Ah, je vais lui rendre l'appareil ». En fait, c'est une réaction normale, une réaction humaine. Mais vous avez remarqué que dans la Bible, ce que Dieu veut faire justement, c'est nous amener à dépasser nos réactions premières, j'allais presque dire animales, le réflexe, pour avoir plutôt un contrôle sur notre vie qui est possible par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, et ainsi nous permettre de grandir, de passer de l'état de réaction à un état où nous réfléchissons nos actes et où nous laissons être inspirés par la présence de Dieu. Alors cela se passe dans toute la Bible, nous avons ce message qui transparaît dans toutes les Écritures et je voudrais vous inviter aujourd'hui à prendre le livre des Proverbes au chapitre 24 et au verset 29. Ne dis pas « Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Voilà, ne dis pas cela, ça ne va pas. Et pourquoi cela ? Je l'ai déjà dit, pour dépasser nos instincts, j'allais dire immédiats, mais aussi pour une autre raison plus profonde, c'est que Dieu seul peut rendre à chacun selon ses œuvres, parce que lui seul connaît le cœur, les motivations, on allait dire les tenants et les aboutissants de tel ou tel acte. Oui, nous traversons ce monde, et ce monde parfois nous fait mal, mais peut-être, une petite parenthèse, souvenons-nous que nous aussi, parfois, nous faisons mal à d'autres personnes, malgré toutes les bonnes intentions que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais oui, le monde nous fait mal. Mais nous ne sommes pas du monde, dira Jésus. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors si la valeur du monde, c'est rendre aux autres ce que l'on nous a fait, les valeurs du royaume, c'est d'aimer nos ennemis et de ne pas leur rendre selon ce qu'ils nous ont fait, mais de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir et ne pas maudire. Alors oui, bénissons, ne maudissons pas, et ne laissons pas ceux qui nous attaquent modifier notre état d'esprit, mais au contraire, continuons à être nourris de la présence de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions être ses enfants, et que nous puissions ainsi regarder avec fierté les progrès que Dieu aura accompli dans notre vie.